Et voilà, arrivé en Grèce. Voilà, hop. Alors on sort, on va récupérer. Oh, il y a de la place encore. Hein. Et notre camion là-bas. Ah, il y en a, il a pris notre camion en photo. Là-bas, la sortie? Ben, j'en sais rien. Tu suis les gens. Ça peut s'arrêter. Complètement au milieu d'un parc ce soir. Voilà notre premier approvisionnement d'eau. Alors, cette installation machine à laver, ça marche?
Ouais, c'est impeccable. Hein. C'est beaucoup mieux que si tu as besoin de laver la même chose à la main. Hein. Parce que... à l'essai d'une semaine, même si on n'a pas dépensé grand-chose, quand même ça. Faut que je te mette un étendage. Alors ces flamants roses, bah, ils sont là-bas encore, maintenant ils sont couchés, j'ai fait plein de photos. Bon, là on est dans une réserve naturelle, donc quoi, du moins je pense que c'est un parc plutôt naturel. Et vraiment il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des mouettes, il y a des cormorans, j'ai vu donc des aigrettes, les flamants roses, des aigrettes. Il y a l'aigrette aussi avec la plume au-dessus de la tête, là, j'ai la huppée. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pu faire toutes ces photos là. Donc, je les mettrai plus tard sur mon site lecoleporteurdailleurs.com. De ce beau spot avec la mer et l'étang, etc., les oiseaux, pour aller sur un autre spot qui va lui ressembler ce soir. Alors on s'est posé sur ce spot pour pouvoir observer les flamants roses et les photographier. Voilà, donc on va rejoindre Cathy qui est en train de prendre les photos. Ben justement, les voilà qui arrivent. On les voit là-bas, ils se posent. Je ne sais pas si on va bien les voir avec la GoPro.